d'abord, le siège de la sténose. Tous les éléments que l'on a dans la littérature étudient le siège de la sténose au niveau donc de la carotide interne. Mais vous voyez que les sténoses carotides existent aussi sous d'autres niveaux et parfois les sténoses sont complexes, elles sont multiples. Donc on est parti sur des études sur les sténoses de la carotide interne qui sont évidemment les plus fréquentes. De quoi parle-t-on? On parle d'une pathologie fréquente. C'est 5 à 10% de plus de 65 ans qui ont une sténose carotide, donc c'est pratiquement un gros malade de tous les jours. D'une pathologie aussi grave qui, avec 10% d'accidents vasculaires cérébraux par an si la sténose est asymptomatique et 2% d'accidents par an si la sténose est asymptomatique. Donc c'est une pathologie fréquente et grave. De quoi parle-t-on? D'une pathologie qui n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée, c'est pas une sténose qu'on voit et puis qui est toute seule. Pas du tout. Elle fait partie d'une maladie vasculaire. Maladie vasculaire qui peut atteindre 2 ou 3 territoires. Territoire cérébrovasculaire, territoire périphérique et territoire coronarien. Donc pensez évidemment à être assez exhaustif dans votre bilan de sténose carotide. De quoi parle-t-on? Alors ça c'est le registre Rich qui montre que véritablement il y a une interpénétration des atteintes, donc athéromateuses. Parfois 2, parfois 3 localisations. De quoi parle-t-on encore? Les sténoses ont différentes étiologies. Dans les papiers, concernant la sténose carotide, on parle souvent des sténoses athéromateuses. Mais vous voyez que les étiologies sont fréquentes et variées. Vous avez des sténoses athéromateuses, certes, mais vous avez des dissections carotidiennes, il faut savoir y penser. Les sténoses post-radiques, les sténoses dues à des maladies inflammatoires, des sténoses qui vont jusqu'à l'occlusion. De quoi parle-t-on et à quoi correspondent, ça c'est très important, les degrés de sténose? On va vous dire 70%, 60%, 50%. À quoi ça correspond tout ça? Les degrés de sténose sont exprimés selon la méthode de réduction de diamètre dans les études, les plus grosses études qui ont donné lieu à des consensus. C'est des méthodes de diamètre, donc de réduction de diamètre. Alors vous avez des mots comme nacelle, comme SCT, comme ECST, pardon, et non en surface. Alors, quelle est la différence entre la méthode américaine, NASET, et la méthode européenne, ECST? Alors, vous voyez ici dans ce dessin très très simple, que j'ai voulu très simple, on étudie le degré de sténose soit localement au siège de la sténose, et ça c'est la méthode européenne, et cette méthode donne une idée du degré et de l'importance de la plaque, mais évidemment, elle est moins importante que la sténose fonctionnelle. La sténose NASET va comparer le degré de la sténose à la carotide sous-jacente. Et là, vous avez une idée de la sténose hémodynamique. Et donc, c'est cette méthode-là qu'on va retenir dans les études qu'on va vous proposer. Donc, méthode NASET. Alors, vous voyez que la méthode européenne de CST, en général, est plus importante dans son évaluation de sténose que la méthode NASET. Et plus les sténoses vont devenir importantes, et plus ces deux méthodes vont se rejoindre. Mais vous voyez que par exemple, quand vous avez une méthode ECST qui vous donne une sténose à 60%, 65%, en NASET, elle n'est plus que de 30%. Et donc, si vous allez un peu plus loin dans les degrés de sténose, une sténose de 80% va donner une NASET à 60%. Donc c'est une méthode NASET qui est retenue. Alors surface ou diamètre? En général, les méthodes d'imagerie de coupe fournissent des surfaces en diamètre, en surface, des méthodes d'évaluation en surface. Or, aucune de ces méthodes en surface n'a été retenue dans les études concernant les conduites à tenir dans les sténoses carotides. Il faut savoir que les méthodes en surface aussi surexpriment le degré de sténose. Vous voyez par exemple ici, alors on va prendre là par exemple, je ne sais pas où je vais, peut-être bien voilà, ici. Voilà. Vous avez ici donc la méthode, ici en NASET exprimant surface, et vous voyez la même sténose exprimée en NASET en réduction de diamètre. Vous voyez 56, 33. Donc la méthode en surface surestime la sténose. Là encore, vous avez des degrés de sténose exprimés en surface et exprimés en diamètre. Et vous voyez la correspondance entre surface et diamètre qui n'est pas du tout la même. Donc on évalue les degrés de sténose en diamètre, méthode NASET.
Alors, méfiez-vous aussi de l'ARN qui parfois surexprime la sténose. Et là, vous avez par exemple une thrombose totale de la carotide interne en ARM et en angiographie, vous avez quand même une sténose qui est à 90%, donc encore vascularisable. L'ARN donne parfois des images un peu difficiles et dans les coroscanners, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé et c'est dommage. Et je remercie d'ailleurs tous les orateurs précédents qui m'ont beaucoup appris, leur topo était formidable. On n'a pas beaucoup parlé des calcifications en scanner coronaire, qui sont parfois très très gênantes. Alors, de quoi parle-t-on? Quelles sont les étiologies des accidents vasculaires cérébraux? Alors, on a une sténose, on a un accident vasculaire, on dit c'est la sténose, mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que regardez, ici, dans les essais ischémiques, la sténose va être responsable que de 30% des accidents vasculaires ischémiques ipsilatéraux. Et il y a de nombreuses autres étiologies à cet accident vasculaire cérébral. Donc, ne pas rapporter systématiquement l'accident à la sténose. Si la sténose est asymptomatique, par exemple, il y a 3% d'accidents vasculaires par an. Si la sténose est supérieure à 60%, plus la sténose va être serrée, plus les accidents vasculaires vont être fréquents. Mais une fois sur deux, l'accident vasculaire ipsilatéral est dû à une autre cause que la sténose. L'IDM est la première cause de mortalité des sténoses carotides asymptomatiques. Si la sténose est symptomatique, il y a 10% d'accidents vasculaire sur le même côté de la sténose et 4 AVC sur 5 sont dus à la sténose. Ces deux ambiances, vous voyez, totalement différentes. De quoi parle-t-on encore? On parle aussi de la technique chirurgicale. Cette technique a beaucoup évolué. La technique périchirurgicale aussi a beaucoup évolué. Le TCMM, le taux combiné de morbi-mortalité à 30 jours, est passé de 6%, puis 3%, et puis dans certaines équipes, il est à 1%. Donc c'est à prendre en considération dans notre évaluation de pronostic post-opératoire. Des progrès techniques, on a une meilleure connaissance de la tolérance au clampage, on a une diversification des techniques de patch, d'hémostase est rigoureuse et surtout on fait des angiographies de contrôle post-opératoire. Le traitement médical aussi a évolué. Les statines qui sont données de façon très large et de façon à des doses importantes, les antiagrégants qui sont donnés, les IEC et les anti-HTA qui permettent de contrôler l'hypertension artérielle. De quoi parle-t-on encore quand on veut éventuellement prendre une décision sur une sténose de la carotide interne? On parle des techniques d'imagerie qui évoluent en finesse d'appréciation dans la définition des plaques, des codopler, scanner et IRM. Revenons à notre affaire. Recommandations. Ça, c'est des recommandations qui sont dans les livres et qu'il va falloir évidemment accommoder à la sauce moderne. Recommandations, tout d'abord les sténoses asymptomatiques. Alors, tous les patients doivent avoir évidemment d'aspirine et des statines à forte dose, évidemment, traiter l'hypertension artérielle. Si une sténose symptomatique de 70 à 99%, la chirurgie est recommandée. Recommandation de classe A. Entre 50 et 69%, la chirurgie devrait être discutée, mais en général, elle est effectuée, recommandation de classe A. Cette chirurgie doit être faite le plus souvent, le plus rapidement possible après un accident vasculaire cérébral, en général, dans les 15 jours. Dans les sténoses symptomatiques, toujours, on verra un petit peu les cases rouges. Pas de revascularisation en cas de sténose inférieure à 50%, pas de revascularisation en cas d'occlusion totale de la carotide, chronique évidemment, pas de revascularisation en cas de séquelles cérébrovasculaires sévères évidemment, ça c'est normal. Sténose symptomatique de la carotide interne, donc on reprend, toutes les sténoses doivent être traitées par les antiplaquettaires, toutes les sténoses doivent être traitées par les statines, tous les hypertendus doivent être parfaitement équilibrés. En cas de sténose de 70 à 99%, la chirurgie est recommandée. En cas de sténose de 50 à 70%, une chirurgie devrait être discutée, mais en général, elle est retenue. En cas de sténose avec indication chirurgicale, la procédure doit être mise en œuvre le plus rapidement possible, dans les 15 jours. Puis les sténoses asymptomatiques. Prise en charge des sténoses asymptomatiques, on retrouve l'aspirine, on retrouve les statines.
En cas de sténose asymptomatique supérieure à 60%, l'ACET évidemment, une chirurgie devrait être discutée pour peu que le TCMM soit inférieur à 3%. Donc tout dépend de l'équipe chirurgicale auquel vous allez l'adresser. Recommandation de classe A. En cas de sténose asymptomatique nécessitant une revascularisation, l'angioplastie peut être discutée en alternative à l'endarterectomie dans les centres experts avec le taux de mortalité documenté toujours inférieur à 3%. Revascularisation toujours des sténoses asymptomatiques. Il est raisonnable d'envisager la chirurgie chez des patients asymptomatiques avec une sténose supérieure à 70% si le risque cardiovasculaire est faible. Risque cardiovasculaire faible. Je répète, risque cardiovasculaire faible. L'angioplastie prophylactique doit être réservée à des patients sélectionnés avec une sténose asymptomatique supérieure à 70%. Cependant, son bénéfice par rapport au traitement médical optimal seul n'est pas établi. En résumé, c'est pas la fin de l'exposé, hélas. En résumé, sténose symptomatique supérieure à 50%, donc 50 à 70%, 70% à 99%, on opère, plus les traitements médicaux. Sténose symptomatique inférieure à 50%, on n'opère pas. Traitement médical. Sténose asymptomatique, ils n'ont pas parlé, supérieure à 70%. Il faut évidemment faire deux techniques d'imagerie et opérer. Sténose asymptomatique de 60 à 70%, on peut discuter une chirurgie si votre équipe chirurgicale est bonne. Alors, je ne vais pas vous parler des sous-clavières. Il ne faut pas opérer les sous-clavières si elles ne sont pas évidemment symptomatiques. On passe, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les sténoses vertébrales, il ne faut pas toucher aux vertébrales si elles ne sont pas symptomatiques, sur le plan cérébral, sur le plan, évidemment, d'un vol sous clavier. Les dissections cervicales, peut-être ça peut vous intéresser. Il faut faire une angiographie, c'est très utile pour le diagnostic. Et toujours traitement antithrombotique, attendre 3 à 6 mois. Si cette sténose ne se réduit pas, on peut songer à une intervention, surtout si cette sténose a tendance à évoluer. Alors voilà l'algorithme pour la prise en charge des sténoses de la carotide interne. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. Donc, vous avez ici, il y a eu ou non un accident vasculaire cérébral. Non, il n'y en a pas. On fait une imagerie Doppler, et puis on peut faire éventuellement un scanner ou une IRM. Et vous avez une sténose inférieure à 60%. Traitement médical optimal. Si la sténose est occluse, on ne touche pas. Traitement médical optimal. Si la sténose artérielle est entre 60 et 99%, vous voyez, c'est 99% parce que si les sténoses, les occlusions totales, on ne touche pas. Hein. Eh bien, si l'expérience de vie est supérieure à 5 ans, eh bien, on va vers une revascularisation avec un traitement médical. Ok, tout ça, donc, c'est assez classique. Vous allez voir que ça va changer. L'exposé n'est pas fini, monsieur Mohamed. L'exposé n'est pas fini. Hein. Si la sténose est symptomatique, alors on fait évidemment une imagerie, etc. Si la sténose est inférieure à 50%, traitement médical. Si elle est entre 50 et 69%, on recommande la chirurgie et le traitement médical. Si elle est supérieure à 70%, on pratique une chirurgie de revascularisation avec un traitement médical. Voilà, ça c'est le tableau clé tel qu'il était admis par tous il y a encore quelques temps. Les rosténoses doivent être traitées comme les sténoses, soit la rosténose évolue très rapidement, auquel cas il faut l'opérer, soit elle est supérieure à 70%, auquel cas on revient à la case départ. Mais, les choses ont changé. Les grandes études datent du siècle dernier. On est au 21e siècle. Les deux grosses études ACAS et ACST ont inclus les patients, l'une jusqu'en 1995 et l'autre jusqu'en 2004. Donc c'est vraiment un peu le siècle dernier, avec des gros essais comme ACAS et ACST, 4600 patients, et on a trouvé que la chirurgie, évidemment ce sont des sténoses serrées, plus de 60%, on a trouvé qu'il y avait plus d'accidents vasculaires cérébraux en périopératoire, mais le bénéfice apparaissait au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans dans ACAS et de 2 ans dans ACST. Le bénéfice touche plutôt des hommes inférieurs à 75 ans. Il y avait très peu de personnes très âgées dans ces études-là.
et peu de femmes étaient incluses. Donc on ne sait pas si les femmes vont bénéficier de ce type d'intervention. La méta-analyse de ces grands essais à CAS et à CST montre que le bénéfice apparaît pour tout le monde, sauf pour les femmes, ce n'est pas significatif. Sauf pour les sujets âgés, ce n'est pas significatif. Cette méta-analyse donc, sur 5223 patients suivant en moyenne 3,3 ans montre une réduction du risque absolu de 1%, sauf chez la femme et le sujet de plus de 75 ans. Stinting versus chirurgie, l'étude SAPHIR a pris des patients à haut risque chirurgical, on va définir tout à l'heure le haut risque chirurgical. 79% étaient asymptomatiques. On constate qu'après la procédure, il y a eu plus d'AVC post-opératoire, mais moins d'infarctus du myocarde. Je vous signale que l'infarctus du myocarde, c'est le danger évidemment, et l'étiologie de mortalité des sténoses carotides. Intérêt donc de définir les chirurgies à haut risque. Quelles sont les chirurgies à haut risque quand vous avez une sténose de la carotide? Alors évidemment les cardiopathies sévères, les infarctus récents, on a encore instable, les insuffisants respiratoires très sévères, occlusion de la carotide contralatérale, paralysie laryngée, ça c'est un problème local, antécédent de radiothérapie cervicale avec des coups hostiles, la rosténose post-endarterectomie, lésion carotidienne haute, lésion en tandem sévère, raideur important du rachis cervical et un âge de 80 ans. Dans tous ces cas-là, il y a un haut risque chirurgical et on aura tendance plutôt à proposer une angioplastie transluminale. Donc, chirurgie chez les patients asymptomatiques, sténose de 60 à 99% avec deux types d'imagerie. Si l'espérance de vie excède 5 ans, centre avec au moins 3%, moins de 3% de taux de mort et d'accident. Angioplastie avec stent reste seulement une alternative si très haut risque chirurgical et si l'anatomie le permet. Enfin, décision collégiale. Mais, évolution considérable du traitement médical. Prescription large de statine, amélioration du contrôle tensionnel. Et là, on constate même au cours des études ACAS et ACST une baisse considérable des accidents vasculaires cérébraux dans le bras médical au fur et à mesure que l'étude se déroule. Voilà une mauvaise diapositive, mais c'est intéressant. C'est des ronds. Des ronds. Plus le rond est gros, plus l'étude est importante. Et vous voyez qu'avec le temps, ces études montrent que à gauche, vous avez des accidents vasculaires cérébraux sur des évolutions spontanées, et à gauche, des mortalités. Eh bien, avec le temps, on arrive à des taux d'accidents vasculaires cérébraux et de mortalité inférieurs à 1%. Cette diapo est de mauvaise qualité, mais elle est très importante parce que véritablement, on change vraiment d'ambiance. Une analyse de grosses études depuis 1985, par un calcul ésotérique, mais apparemment reconnu, la réduction des AVC dans les essais ne permet plus de retrouver la supériorité de la stratégie chirurgicale. Alors, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens dans la salle, mais je pense que ça peut se discuter. On prend une étude OSPAS maintenant, qui va aller dans le sens de ce que je viens de dire. Vous prenez des patients qui ont fait un accident vasculaire. De l'autre côté, ils ont une sténose carotide importante, plus de 50%, 60%. On va les suivre pendant 3 ans. Ils sont très bien traités, antithrombotiques, statines, antihypertenseurs. Le taux d'accident ischémique ipsilatéral du côté de la sténose que l'on suit a été de 0,34% par an. Ça laisse à réfléchir sur l'indication d'une chirurgie de la sténose de la carotide interne. L'exposé n'est pas fini. On continue. Si on me donne encore quelques minutes, c'est possible? Donc, traitement chirurgical pourrait ne plus être proposé systématiquement. Mais le traitement médical doit être mis en place de façon efficace à dose pleine, d'autant plus que le taux annuel d'infarctus myocardique a été de 4% dans le suivi de ces patients vasculaires. Néanmoins, on a cherché à identifier des sous-groupes de patients présentant une sténose carotidienne étant à haut risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, qu'est-ce qu'il faut opérer en définitive? On ne sait plus avec tout ça. Qu'est-ce qu'il faut opérer? On va essayer de voir vraiment les sténoses carotidiennes qui sont à opérer. Voilà les sténoses carotidiennes à haut risque d'accident vasculaire cérébral. L'occlusion contralatérale.
très attention évidemment, parce que l'autre sténose n'évolue pas. Sténose très serrée, supérieure à 90%, il faut aller vite. Infarctus cérébraux silencieux, IRM ou scanner. Progression de la sténose supérieure à 20% par an, il faut aller vite. Des HITS au Doppler transcrânien, ce sont des petites micro-particules qui vont dans le cerveau et que l'on détecte au Doppler transcrânien. Si la sténose est serrée et présente des plaques ulcérées, s'il y a des hémorragies intraplaques, enfin, biologiquement parlant, on peut éventuellement se servir de biomarqueurs. Si on traite une sténose médicalement, il va falloir bien surveiller le patient, contrôle médical sévère des facteurs de risque, éco-doppler de surveillance, et éduquer le patient à reconnaître tout symptôme d'accident ischémique transitoire. Intervention rapide, si besoin, programmée. Nous conclurons en pratique. La conclusion, c'est un bon mot, hein, surtout à cette heure-là, ça doit être bien. Alors, conclurons en pratique. Les preuves d'hier sont les questions d'aujourd'hui. Certains essais deviennent caduques du fait du changement de profil des patients et des traitements médicaux développés récemment depuis l'époque de ces essais. C'est le cas de la revascularisation carotidienne en prévention primaire. Il est possible qu'elle reste bénéfique avec une baisse du risque opératoire. On attend de nouveaux essais. Décision au cas par cas au sein d'une étude multidisciplinaire. Nombreux paramètres décisionnels, ça c'est le message à emporter à la maison, degré de la sténose, évolutivité, type de la lésion, anatomie carotidienne, association d'une sténose intracérébrale. À ce propos, si vous avez une sténose carotide qui est associée en tandem à une sténose intracérébrale, la cérébrale moyenne par exemple, eh bien, ces sténoses intracérébrales aggravent le pronostic, aggravent le risque. Et il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bénéfique d'opérer ces patients sur leur carotide interne. Performance de l'équipe chirurgicale, on a vu. S'il y a des infarctus cérébraux silencieux, on sait. L'âge, méfiez-vous des patients très âgés. Ils ne trouvent pas obligatoirement un bénéfice important à ce genre d'intervention. Le sexe, la femme, il peut représenter dans les études. On ne peut pas éventuellement y aller l'âme tranquille. Comorbidité du patient, l'avis du patient, il faut demander évidemment au patient son aide. Traitement médical et suivi post-opératoire. Mais je souhaite une bonne chance à l'Algérie, pas seulement au sport d'hiver. Je vous remercie beaucoup. Pour toute question, je vous laisse une petite adresse.